Thank you.
Tu sais, quand mon père nous a balancé à la figure qu'il nous reniait, Alfino et moi, je savais que c'était pas des paroles en l'air. Pourtant, il faut croire que j'avais besoin de venir ici pour réaliser le véritable poids de ces mots. Tu te souviens de notre discussion quand on a décidé de venir à Charlayan tous ensemble ? Ra a mentionné que si notre père s'était comporté de la sorte avec ses propres enfants, c'était probablement pour une raison précise qu'il tenait à nous cacher. Plus j'y réfléchis, et plus je me dis qu'il est dans le vrai. Fourchenot le Veilleur est un homme fier et têtu. Et il s'est pris le bec plus d'une fois avec grand-père Louisois. Mais jamais il n'aurait osé lui dire qu'il pouvait faire couler le sang à sa guise. Ça me rassure un peu de penser ça. Mais toujours est-il que je ne sais pas comment lui prouver que nous avons de bonnes raisons de nous battre. C'est surtout Alfino qui est très préoccupé à ce sujet. Moi, j'ai toujours eu tendance à me dire que j'avais fait le bon choix parce que c'était le mien, sans me poser plus de questions. C'est pour ça que je m'énerve autant quand on vient me prétendre le contraire. Je sais bien que parfois j'ai mauvais caractère, et que je devrais essayer de me mettre un peu plus à la place des autres, ou d'être moins têtu et égoïste. Mais je m'en rends toujours compte après coup. Si j'avais su trouver les mots justes lors de sa visite, je me demande si le paternel se serait ouvert à nous. Les barques chargées de marchandises qui viennent de s'engouffrer dans le canal. Elles sont en route pour le Labyrinthos. Ah oui, je suis bête. Ça doit être la première fois que tu entends ce nom. C'est un complexe immense construit dans les sous-sols de Charlayan. On est dans la cité du savoir, pas vrai? Eh ben, figure-toi que ce savoir n'est pas uniquement constitué de montagnes de papier imprimés et de tubes gradués. Nos savants font également de nombreuses recherches sur la matière vivante, aussi bien animale que végétale. Et toutes ces petites merveilles de la nature sont entreposées au Labyrinthos. Maintenant que j'y pense, c'est pas tous les jours qu'on voit une cargaison aussi importante. Quand j'habitais encore ici, c'était même rare de croiser un seul bateau aussi chargé. Alors plusieurs d'un coup... Attends une seconde. Un client du dernier rempart nous a pas dit qu'il voyait de plus en plus de glaneurs faire des allées et venues entre la surface et les sous-sols. En parlant de glaneurs, c'est à coup sûr certains d'entre eux qui accompagnaient la cargaison de tout à l'heure. Ça voudrait dire qu'ils ont obtenu l'autorisation officielle du Conseil. Et si c'était l'arrivée des télophores sur le devant de la scène ? Qui les avait poussés à s'activer pour une raison que nous ignorons encore. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse ? Perso, je crois qu'on tient le bon bout.